Bonjour, on va traiter un exercice de logique. Bon, l'exercice est le suivant. On va montrer que l'équation x au carré plus y au carré moins z, 8z moins 6 est égal à 0. Cette équation n'admet pas de solution. Bon, comme d'habitude, on va procéder par le raisonnement par absurde. Mais il y a un résultat très important qu'on va utiliser dans cette question. C'est un résultat que j'ai déjà démontré dans un exercice d'arithmétique. Bon, le résultat est le suivant. Bon. Important. C'est un résultat très important, soit n appartenant à n et les valables ci dans z. Bon, on va prendre n appartenant à n. Bon, on a n au carré, il est congru à 0 modulo 8, ou n carré est congru à 4 modulo 8, si n est pair. Et n carré, il est congru à 1 modulo 8, si n est impair. Voilà. Bon, on va montrer ce résultat. Bon. Bon. On suppose que n est pair. Donc, il existe paire appartenant à n, tel que n est égal à p, à 2p. Comme p appartenant à n, alors p est égal à 2k ou p est égal à 2k plus 1. C'est-à-dire ce p avec, pardon, k appartenant à n. Bon, on a p appartenant à n, p c'est un entier naturel, donc il doit être pair ou impair. S'il est pair, il est de la forme du k. S'il est impair, il va s'écrire dans la forme du k plus 1. Donc, n est égal à 2 multiplié par 2k, ou n est égal, pardon, à 2 facto de 2k plus 1, qui est égal à 4k plus 2. Cela implique, pardon, que n au carré, ici c'est 4k, 4k au carré, qui est égal à 16k au carré, qui est congru à 0 modulo 8. Il est divisible par 8. Ou, n au carré est égal à 4k plus 2 au carré, qui est égal à 4k au carré plus 2 multiplié par 4k, 2 multiplié par 4k multiplié par 2 plus 2 au carré, qui est égal à 16k carré plus 16k plus 4.
Moi, cette quantité, il congrue à 0 du nu 8. Donc, si n est pair, alors n, il congrue, une carré, pardon, il congrue à 0 modulo. Bon, 6 carrés, c'est pas bon. Il congrue à 4. Bon, à 0 modulo 8, ou une carré, il congrue à 0 modulo, pardon, à 4 modulo 8. Voilà, si n est pair. Maintenant, si n est impair. Si n est impair, alors, il existe un pair partant à n tel que, n est égal à 2, pi plus 1. Bon, pi appartenant à n, donc pi comme pi appartenant à n, alors il existe encore un cas appartenant à n, tel que pi est égal à 2k ou pi est égal à 2k plus 1. Donc, il existe K appartenant à N tel que N est égal à 2 multiplié par du K plus 1 ou N est égal à 2 facteur du K plus 1 plus 1. Cela implique que n est égal à 4k plus 1, ou n est égal à 4k de plus 1, si 3. Donc, par passage dans le carré, donc on a là, cela implique que n au carré est égal à 4k plus 1 au carré, qui est égal à 4k carré plus 2 multiplié par 4k, pardon, plus multiplié par 1 plus 1 au carré. Cette quantité, il est congrue. Ceci est congrue à 0 modulo 8. 1 au carré, c'est 1, donc il est congrue à 1 modulo 8. Ou n au carré est égal à 4k plus 3 au carré, qui est égal à 4k au carré plus 2 multiplié par 4k, pardon, multiplié par 3 plus 3 au carré, qui est congrue, cette quantité ici c'est 8, multiplié par 3, 24, c'est un multiple de 8, 16 est un multiple de 8, donc on peut factoriser par 8, donc on aura 8 facteurs de 4k carré, bon, de 2k carré, plus 3, k, plus 9, 9 c'est 8 plus 1, donc il y aura 8 facteurs de 2k carré, plus 3k, plus 1, plus 1. Bon, cette quantité est congrue à 0 modulo 1, donc enfin il est congru à 0 plus 1 modulo 8. Bon, donc, si n est impair, pardon, alors, n de l'éducation est congrue à 1 modulo 8. Bon, on va utiliser ce résultat. N carré est congru à 0 modulo 8, ou N carré est congru à 4 modulo 8, si N est pair. N carré est congru, pardon.
A un module 8, c'est un I ampère. Voilà, on va utiliser ce résultat car nous avons ici le carré. Bon, maintenant, on va appliquer le raisonnement par la suite. Bon, le résultat qu'on a montré, il est vrai quel qu'il soit, N, bon avec N, appartenant à Z. On peut parler de la parité dans N, bon, le cas où les nombres négatifs, on en parle de la parité de l'opposé de N. Donc, ce résultat est vrai quel qu'il soit, N appartenant à Z. Bon, maintenant nous avons x, y. Bon, on s'oppose, tout d'abord, on va appliquer le principe de raisonnement par absurde. On suppose que l'équation, on va l'appeler E, l'équation E, admis, bon, dissolution. Z3. Donc, il existe un couple x0, y0, z0 appartenant à z cube tel que x carré plus y0 carré moins 8z0 moins 6 y conclut est égal à 0. Bon, ceci, puisque cette quantité est égale à 0, donc cela implique que x au carré plus y0 au carré moins 8z0 au carré moins 6 est conclu à 0 modulo 8. Car cette quantité est égale à 0, 0 est conclu à 0 modulo 8. Bon, maintenant on va chercher une contradiction. Bon, on suppose que x0 et y0 sont tenus du père, son père. Donc, x0 il est congru à 0 modulo 8 ou x0 est congru à 4 modulo 8. Et y0 est congru à 0 modulo 8 ou y0 est congru à 4 modulo 8. Bon, ici on va appliquer la loi de Morgan. Donc, ceci est équivalent à il est équivalent à x0 congru à 0 modulo 8 et y0 congru à 0 modulo 8 ou x0 il est congru à 0 modulo 8 et y0 est congru à 4 modulo 8 ou x0 est congru à 4 modulo 8 et y0 est congru à 0 modulo 8 enfin ou
x0 le grand de la 4 modulo 8 et y0 le grand du à 4 modulo 8. Bon, dans tous les cas, bon, on va prendre si, bon, on va rappeler ici. Nous avons ici une disjonction du cas. Il va nous avoir bon, il le résume par absurde dans supermode la logique. Bon, si x0 est congru à 0 modulo 8, et y0 est congru à 0 modulo 8, alors x0 au carré plus y0 au carré moins 8z0 moins 6 si il est congru. Cette quantité est congru à 0, 0 au carré c'est 0, 0 au carré c'est 0. Moins 8z c'est 0, donc il est congru à moins 6 modulo 8, qui est congru à 2 modulo 8. Donc, 8 ne divise pas x0 plus y0 au carré moins 8z0 moins 6. Alors, x0 plus y0 au carré moins 8z0 moins 6, il n'est pas, il est différent de 0. Il est différent de 0. Il est différent de 0. Car 8 n'utilise pas cette quantité. Donc, en particulier, 8 divise 0, donc x0 au carré plus y0 au carré moins z0 moins 6, c'est différent de 0. Car s'il est égal à 6, alors on aura 8 divise cette quantité. Ce qui est faux d'après. D'après l'hypothèse. Maintenant, si la deuxième assertion, si x0 congruent à 8, continue, et y0 il congruent à 4 modulo 8, ceci, alors, x0 il congruent, bon, x0 il est congru à 0, donc x0 au carré, pardon, plus y0 au carré, moins 8, z0 moins 4, moins 6, pardon, est égal, bon, il est congru, pardon, par passage il est congru, si c'est 0 au carré, c'est 0, y0 c'est 4 au carré, si c'est 0, moins 8, c'est un multiple de 8, c'est 0, donc il est congru à moins 6, modulo 8. Et ceci, il est congru à 2 modulo 8. Donc, 8 ne divise pas x0 plus y0, moins 8z0, moins 6. Alors, ne divise pas, pardon. Ne divise pas. Alors, 8, alors, pardon. x0 au carré plus y0 au carré, moins 8z0, moins 6. Ceci est différent de 0. Car s'il est égal à 0, on aura 8 divise 0. Donc, on aura cette quantité de congrue à 0 modulo 8, ce qui est absurde car elle est congrue à 2 modulo 8. Maintenant, le troisième cas. Bon. Voilà le premier. Bon, le troisième, si. Bon, x0, y0, j'ai un symétrique, donc. On peut déduire ce cas dans celui-ci. Bon, si x0 congrue à 4 modulo 8 et y0 congrue à 0 modulo 8, la même, on trouve que x0 au carré plus y0 au carré moins 8z0 moins 6 n'est pas bon, est différent de 0. Maintenant, bon, ici on a utilisé ce résultat pour aboutir à ce résultat, on a utilisé ce résultat important. Maintenant, le dernier cas. Si x0 est congru à 4 modulo 8 et y0 congru à 4 modulo 8,
Alors, x0 au carré plus y0 au carré, moins, pardon, moins 8z0, moins 6, il est égal 16 plus 16, moins 8z0, moins 6, qui est égal à 8 facteurs de 4 moins 8z0, moins 6, qui est congru à moins 6 modulo 8. On ajoute 8 ici, donc il est congru à 2 modulo 8. Donc, 8 ne divise pas x0 plus y0 au carré moins 8z0, moins 6. Cela implique que x0 au carré plus y0 au carré, moins 8z0, moins 6 est différent de 0. Car s'il est égal à 0, on va trouver que 8 divise. Donc 8 ne divise pas cette quantité. Bon, c'est fait avec x. Maintenant, on va avoir x0 et y0 en des parités différentes. Bon, l'autre cas, si x0 est pair et y0 impair. Donc on aura les cas suivants. Bon, puisque x0 et y0 jouent un symétrique, un rôle symétrique dans l'équation, donc on va traiter ce cas, x0 est pair et y0 est impair. L'autre cas, x0 impair et y0 pair, c'est la même chose. Bon, maintenant, voilà, x0 impair, y0 pair, donc, y0 carré, est congru à 1 modulo 8, pardon. Et x0, pardon, au carré, congru à 0 modulo 8, au x0, pardon, x0 au carré, il est congru, pardon, ici, au. Au x0 au carré, il est congru à 4 modulo 8. Bon, cette quantité, d'après la loi de Morgan, est équivalente à y0 au carré congru à 1 modulo 8 et x0 congru à 0 modulo 8 ou y0 congru à 1 modulo 8 et x0 au carré est congru. Bon, ici 1 est congru à 4 modulo 8. Bon, si dans ce cas nous avons deux cas. Maintenant, on suppose que y0 est congru à 1 modulo 8 et x0 carré est congru à 0 modulo 8. Donc on aura x0 au carré plus y0 au carré moins 8z0 moins 6 et il est congru et si c'est bon nous avons ici si 0 donc 0 au carré plus 1 au carré, ici c'est 0, moins 6, qui est égal, est congru, ici congru, modulo 8, qui est congru, 1 moins 5, c'est moins, 1 moins 6, 5, qui est congru encore, moins 5 plus 8, c'est 3 modulo 8, différent de 0 modulo 8, cela implique que 8 ne divise pas x0 au carré plus y0, moins 8z, 0, moins 6. Donc,
x0 au carré plus y0 moins 8z0 moins 6 est différent. Bon, il est différent de 0. Car si c'est égal à 0, on aura. Bon, différent de 0. Car si c'est égal à 0, donc 8 divisions, donc on aura 8 divisé cette quantité. Ce qui est faux car on a cette quantité congrue à 3 modulo 8. Bon, l'autre cas, donc, si on suppose encore que, bon, si par exemple, nous avons le cas, si, maintenant, si y0 au carré congru, il est congru, y0 au carré est congru à 1 modulo 8, et x0 au carré congru à 4 modulo 8. Bon, donc, x0 carré plus y0 carré moins 8z0 moins 6 il est congru. X carré il est congru à 4 modulo 8, donc 6,4 plus 0, y0 congru à 0 modulo 1, pardon, c'est 1, plus 6, 0. Moins 6 est égal à moins 1. Bon, ici on dit 8, pardon. Il est congru. Ici 4, 5 moins 4, c'est 1. C'est moins 1. Moins 1 plus, pardon. Moins 1 plus, plus 8, c'est 7 modulo 8. Donc, différent. Donc, pardon. Donc, 8 ne divise pas x0 au carré plus y0 au carré moins 8z0 moins 6. Alors, x0 au carré plus y0 au carré moins 8z0 moins 6 est différent. Est différent de 0. Et différent de 0, car si x égale à 0, on aura 8 divisé x carré, x0 carré plus y0 carré moins z0 moins 6. Maintenant, il nous reste un seul cas. Bon, le cas qui nous reste, c'est lorsque, bon, il nous reste le cas où ils ont la même parité, ils sont tous les deux impairs. Maintenant, si x0 et y0 sont impairs, alors, bon, x0 carré congrès à 1 modulo 8, y0 au carré est congrès à 1 modulo 8. D'où, x0 carré plus y0 au carré moins 8z0, moins 8z0, moins 6, il est congru, ici c'est 1. Plus 1, moins 0, moins 6, modulo 8, et le congru. Ici, c'est 2 moins 4, moins 6, c'est moins 4. Moins 4 plus 8, pardon, moins 4 plus 8, c'est 4 modulo 8. Alors, 8 ne divise pas x0 carré, y0. Au carré, moins 8, c'est pas bon. Pardon. Alors, 8 ne divise pas, x0 carré, plus y0 carré, moins 8, c'est 0, moins 6. Donc, x0 carré plus y0 carré moins 8z0 moins 6 est différent de 0. Bon, en conclusion, dans tous les cas, on a trouvé que x0 carré plus y0 carré moins 8z0 moins 6 est différent de 0.
C'est-à-dire que le complexe 0 égale 0 n'est pas une solution de l'équation. Bon. Bon, en conclusion, quel que soit x, y, z, bon, pardon. Bon, conclusion, quelle que soit la parité, donc conclusion, il y aura x0 au carré plus y0 au carré moins 8z0, pardon, moins 6, il est différent de 0. Alors, le couple x0, y0, z0 n'est pas solution, n'est pas une solution de l'équation absurde, alors, bon, contradiction, car x0, y0, z0 est solution. Une solution, pardon, de E d'après notre supposition, d'après hypothèse. D'après hypothèse. Donc, bon, on a supposé que le complexe 0 égale 0, que l'équation admet une solution et n'aboutit à une contradiction. La contradiction la suivante, d'une part x0 carré plus y0 carré moins z0 moins 6 est égal à 0, d'autre part, on a montré que x0 égale 0 au carré moins z0 moins 8z0 moins 6, il est toujours différent de 0, alors c'est une contradiction. Donc, d'après le raisonnement, par l'absurde, l'équation, bon, x carré plus y au carré moins 8z moins 6 est égal à 0 n'admet pas de solution. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.